Salut, moi c'est Hurricane et on est parti sur un petit let's play sur Kenshi avec le mode Genesis. Alors c'est quoi ce petit mode? Eh bien c'est un overhaul. Ça va nous rajouter en fait des villes, des armes, des équipements, de nouvelles factions, donc plein de nouvelles choses à faire sur Kenshi par rapport au jeu de base, comme je l'ai déjà pas mal torché dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Non, j'ai pas tout vu. C'est faux, j'ai pas tout vu dans le jeu. Il y a tellement à voir en fait. Mais je voulais repartir en fait. Voilà, sur ce mode-là qui a l'air d'être pas mal coté en fait. Avec de très bons modeurs. Et comme j'ai vu aucun youtubeur sortir de vidéo sur ce mode-là, bah, je me suis dit pourquoi pas. Allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie, on est là pour en chier et je pense, voilà, j'ai choisi mon départ. J'ai envie d'en baver. On va prendre chasseur de cannibales. Et j'aime bien cette petite phrase. Je regrette vraiment d'avoir mis les pieds sur ce territoire de cannibales. C'était très stupide. Attention, vous subirez une attaque dès le début du jeu déconseillée pour une première partie. Ça tombe bien, c'est ma deuxième partie, donc tout va bien. Option avancée, bon, je laisse tout de base. On va laisser les bandits nous piller et tout et tout. Allez. J'adore aussi les fonds d'écran sur ce mode, ils sont vraiment magnifiques quoi. On sent qu'ils ont fait vraiment du bon boulot. Voilà, donc là on va partir sur la création de personnages. Bon, je vais voir sur quoi je vais partir, mais j'ai ma petite idée là aussi. J'ai rajouté un mode qui rajoute une nouvelle race. Rien d'extraordinaire, mais ça change un petit peu quoi en fait. Donc après pour les objectifs qu'on va se fixer, j'ai rien décidé pour le moment en fait. Je vais peut-être partir plutôt sur un let's play un peu plus, on va dire un peu plus nomade, où je vais peut-être pas me construire de ville, où on verra si plus tard j'en ai envie. On va essayer déjà de survivre. Je pense que ce sera une bonne chose. Donc voilà, j'ai vu, alors ça c'est pas moi qui ai rajouté ça, c'est dans le mode Genesis de base. Magnifique. C'est les Lost Ones. Alors, t'as de beaux yeux, tu sais. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je me demande s'ils sont pas derrière là. Si c'est pas ça, ils doivent marcher en reculant dans ces cas-là. Enfin bref, ouais, il y a des. C'est quoi ces sourates? Et là, il y a même pas de tête. C'est trop bizarre ce qu'ils ont fait. Je me demande s'il a besoin de manger. Ok, les Lost One, on dirait à moitié robot. Bref. Non, je vais pas prendre ça, ça me plaît pas. Je vais pas prendre non plus les robots. Voilà, c'est ça, les Rataki que j'ai ajoutés. Donc on va partir sur un Rataki homme. Posture, qu'est-ce qu'on va prendre comme posture? Ouais, elle est assez cool, assez tranquille. On va pas passer 3 heures là-dessus en fait. Visage. Ah ouais, j'aime bien la cicatrice. Les yeux rouges, les yeux noirs, c'est cool. Un rouge à lèvres, par contre, je pense que c'est si tu prends un personnage féminin. Ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien, les yeux noirs et tout. Voilà. Donc, plus 20% en défense, plus 20% en attaque. Pas de malus, 100 points de vie. Écoutez. Bon, le jeu, ouais, va être en franglais, hein, parce que le mode. Je suis pas certain que le mode a été traduit, le mode Genesis, donc. Donc on aura de un peu d'anglais et avec le jeu de base qui reste en français quand même. Donc allez, ben c'est parti pour ce petit let's play tranquille. Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi tous ces cannibales? Ah ouais, je comprends mieux pourquoi maintenant c'était ça le début de la partie. Ok, effectivement. Va falloir courir un peu plus vite là mon pote. Putain, mais on va se faire rattraper là. Putain, mais d'accord, mais j'ai pris des dégâts sur ma jambe droite. Mais si je me fais choper, je meurs direct. Là, le let's play, il est terminé. Putain, foutez-moi la paix. C'est quoi ce truc? Mais il va me défoncer là. Putain, faut que je jette mon équipement là. Faut que je sois plus léger, hein. C'est pas grave, hein. Oh putain. Bon, bah là, je suis mort là. Chez les cannibales là, à mon avis, je suis mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il me soigne? C'est qui lui? Le chef cannibale? Putain, il a une de ses tronches lui? On dirait le mec dans. Une sorte de robot dans. C'est quoi? C'est Alice au pays des merveilles?
les massues qu'ils ont, c'est énorme. Ah ouais, mais en fait, je redécouvre le jeu là avec ce mode. Il y a plein de nouvelles armes, plein de nouveaux équipements. Oh putain, en prison direct. Bon, en tout cas, il avait une belle prime sur la tête, hein, lui. On va espérer qu'il nous mange pas de suite. Parce que là, il va falloir crocheter la serrure, foutre le camp, récupérer mon équipement. Ils m'ont laissé mon arme. Ils sont comme ça. Mon personnage est inconscient. Ok, KO par perte de sang. Bon, bah, on va accélérer. Qui est-ce qui s'attaque au cannibale là? Vous auriez pas pu venir plus tôt? Des bandits hurleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as les mecs, et vous seriez arrivés une minute plus tôt, j'étais sauvé moi, ils seraient venus sur vous les mecs. Blessé, est-ce qu'il est réveillé? Non, je suis blessé. Vous êtes plutôt en bonne santé. Ouais, en bonne santé, mais pas au bon endroit, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi, putain, les cannibales, ils sont à nouveau là. Je crois qu'ils ont faim. Alors attends. Chouette, ils ont chopé quelqu'un d'autre. Un bandit hurleur. Mangez-le en premier, il a l'air plus tendre. Putain, moi, faut que je crochette ma serrure. Oh putain, c'est que le début du jeu, donc j'ai aucune stat. J'irai. 5 résistance, j'ai quand même 10 de résistance, 5 en force, 13 en défense de mêlée. Peut-être parce que j'ai un peu pris sur la gueule, je sais pas. Ok. Ok. Est-ce qu'ils dorment la nuit, les cannibales? Non, non, non. Venez pas vers moi là, je sens qu'ils ont un petit creux là. Putain, mais ils sont combien là, sérieux? Il a chopé quelqu'un d'autre. Attends, un chasseur de cannibales. Le mec, je vais le voler, il est dans la cellule d'à côté. Excellent. Ouais, t'inquiète, c'est les cannibales qui t'ont volé, mec, c'est pas moi. C'est quoi ce sac à dos? Énorme. Son arme. On va lui laisser son arme, on lui laisse une chance. Ah, elle vaut des sous hein, quand même, mais au niveau du poids, ça. Déjà là, je suis à combien? Ça va. Va falloir que je cours quand même. Hein. Oh putain. Je peux m'évader. Je peux m'évader. Désolé, hein, Gustafsson, mais. Il y a encore des cannibales dans le coin, on va attendre. On va attendre patiemment. Parce que là, je pense que si je fous le camp maintenant, je me fais choper. J'espère que la nuit, ils vont dormir. Ça, je prends un risque, hein. Si j'attends trop longtemps et qu'ils viennent me récupérer. Attends. Je m'appelle Gustafsson. Ah ouais, d'accord. J'avais pas changé mon nom. J'ai même pas fait gaffe. Le boulet. Bon, putain, ma jambe elle est à 25 là, mec, c'est mort. Bon, c'est pas grave. Je peux pas m'échapper. Je peux pas m'échapper. Faut vraiment qu'il y ait personne aux alentours. Sinon, je vais me faire de suite rattraper là avec une jambe à. Qui. En compote là. On va attendre, mais après je vais commencer à avoir faim. Et là, ça va commencer à être la galère. Effet vite. Mais en plus, c'est un sac à dos qui rajoute des bonus. Avec 70% de. Ah oui, d'accord, c'est pour les bolts. J'avais pas fait gaffe. Ok, enfin les carreaux d'arbalète, pardon. Qu'est-ce qu'il le mange lui?
Il le mange. Ok, il le bouffe dans sa cellule à travers les barreaux. Non, il a faim, mais il le mange pas là. Il est bloqué. Attendez. Ouais, je peux pas. Lui, il va où? Attends, faut observer là tout ce qui se passe. Ouais, je me suis trompé pour le nom, j'avais pas fait gaffe. J'ai oublié de me mettre un nom parce que je vais m'appeler Gustafsson. T'as vu avec son casque là, Punisher le mec. Ok, on va s'échapper. Putain. Dis pas que je suis bloqué là. Qui est-ce qui m'a vu? Hop là. Je suis enfermé. Comment il boite lui? Putain, mais qu'est-ce qu'il me voit là? De là-bas, il me voit sérieux. Ils ont chopé quelqu'un d'autre. Putain, faut vite que je me barre d'ici là. Allez, fous-le en cage et barre-toi. Putain, mais il a des. Putain, il se lève. Ah, mais d'accord, je me suis remis dedans. Ouais, sauvegarde automatique, allez. Ouais, donc il recrochette la serrure. D'accord, je me suis renfermé dedans, faut que je recrochette ma serrure, c'est génial. Putain, là, ça aurait été le bon moment, sérieux. Oh, j'ai les boules. Allez, ouvre cette cage, bordel. Avant qu'il revienne. Ouais mec, traîne pas. Je m'entraînerai ailleurs au crochetage. C'est pas le bon endroit ici. Allez, raté. Réussi. Putain. On a été repéré. Bon là c'est mort. Bon, ça va, c'est juste le ventre qui m'a touché, il m'a pas repété la jambe. Ça va être chaud. Oh là là, quel départ. Quel départ quoi, mais direct chez les cannibales quoi. C'est qui s'est fait choper là? Il est où le mec? Chasseur de cannibales, d'accord. C'est très bien, mais faites bien votre boulot les mecs, ce serait cool. Je suis blessé et personne ne me soigne. Bon, bah ce let's play ne va pas durer très longtemps. Je suis mourant. Oui, mais je vais mourir en fait. Ça va être mon let's play le plus court sur Kenshi. Oh putain, sérieux, c'est une blague. En fait, j'ai pas été assez réactif dès le début du jeu. Je pense que j'aurais dû direct cliquer au loin pour foutre le camp. Et le massacre dans la cage, sérieux. Ce qu'il a fait, hein, j'ai pas rêvé. Ok, il a foutu sur la table du boucher. Je vais mourir là. S'il vient pas me soigner, je vais mourir. J'ai déjà perdu la partie, sérieux. Bon, bah voilà, je suis mort. Alors, c'est comme ça qu'on perd dans Kenshi, c'est la première fois. C'est la première fois que je perds. Oh putain, ils m'ont déjà remplacé dans la cage, hein. Ok, donc je suis mort et c'est génial, je peux aller où je veux ou pas?
Bon, bah écoutez, voilà, c'était un super fail. La partie la plus courte qui soit sur Kenshi. Écoutez, je pense qu'on va essayer de la refaire. Parce que c'est quand même bien rigolo. Allez, à bientôt, ciao.